Messi, c'est le Messi. Jésus dans la Bible, c'était le Messi. C'est que c'est lui qui a pris Coupe du Monde. Ballon d'or encore, il a pris. Il va prendre cette année encore. Il n'a pas bougé, c'est lui. Non, si pour 8 et c'est lui qui tu vois, non, les règles du football. Sans lui, le football n'est rien. Vu que déjà, c'est lui, il s'appelle Messi. Jésus-Christ, c'était qui? Le Messi. C'est lui qui a pris. On vient vous poser des questions. Hein. Parce que vraiment, si on donne à Messi, c'est comme s'il a volé. Il n'a rien fait de bon mais cette saison. À part Coupe du Monde qu'il a gagné. Il a fui les bateaux aux États-Unis. Il n'a rien fait. Pourtant, Alain a joué la Premier League. Il était meilleur buteur, meilleur joueur de la Premier League. Et puis de toute compétition confondue, il était le meilleur. Donc pour moi, c'est Alain qui doit prendre le ballon d'or. Moi, le ballon d'or doit être donné à Erling Haaland. Erling Haaland, vu ce qu'il a fait durant la Ligue des Champions. Mais si c'est pas parce qu'il a remporté la Coupe du Monde qu'on doit lui donner le ballon d'or. Huitième ballon d'or, il va faire quoi avec ça? C'est Erling Haaland. Il a pris la Coupe du Monde, il a fait quoi de bon? Il n'a rien fait de bon. C'est pas il a remporté, sinon il n'a rien fait de bon. C'est Erling Haaland. Oui, les statistiques en parlent. Merci. Parce qu'il est fort. Aïe, c'est le meilleur joueur, non? Calcul des mathématiques, tout ça, on ne regarde pas. C'est Mbappé. Messi. C'est Mbappé qui mérite. Messi ou bien? Mbappé. Messi ou bien? Bébé, viens me chercher en partie à Paris. Moi, j'aimais le PSG à cause de Lionel Messi. Voilà. J'aime beaucoup Lionel Messi. C'est depuis le Barça que je le suis. Mais en même temps, j'aime sa manière de jouer. Tu vois un peu. C'est le joueur qu'il faut. C'est vrai, Mbappé, c'est un grand joueur. Haaland, c'est un grand joueur. Mais comparé à Lionel Messi, ils sont pas du niveau de Lionel Messi. Ils sont pas encore, pour le moment. Voilà. Donc, pour moi, le ballon d'or, le futur ballon d'or, c'est Lionel Messi. Et bon, si vous vous rappelez, il y avait une loi qui disait celui qui remporte la Coupe du Monde, l'équipe qui remporte la Coupe du Monde, le grand joueur est favori pour le ballon d'or. Voilà. Donc, Lionel Messi peut remporter le ballon d'or. Et c'est lui qui va remporter le ballon d'or. C'est pas une histoire en découdre. Haaland, oui, mais il vient d'arriver, il doit prouver. Oui, mais c'est la Coupe du Monde qui est plus prestigieuse. Tu vois, on dit Coupe du Monde. C'est vrai, il a remporté Ligue des Champions, FA Coupe, il a été champion d'Angleterre, mais ça ne suffit pas. C'est une loi qui a été imposée depuis longtemps. Moi, si on veut regarder ce critère de la Coupe du Monde, vraiment, c'est que vraiment le trophée des ballons d'or n'a plus de valeur. Parce que normalement, on ne doit pas regarder un seul tri pour donner à quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas vraiment performant dans tous les matchs. Vous voyez un peu. Parce que première saison, là où il jouait, il n'a pas été performant. Il n'a pas piqué en France. Il n'a pas piqué là où il partait. Il ne pique pas. C'est juste à la Coupe du Monde seulement qu'il a piqué. Bon, donc on ne peut pas l'attribuer vraiment le ballon d'or. Si on devait donner comme ça, si on devait juger, c'est un des trucs comme ça. En 2010, on est dans ce cas à Iniesta. Voilà. Puisque lui, il a eu tous les trophées maisonnés à Messi. Voilà. Donc pour moi, c'est Haaland, quoi.